Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel Durechevret, je suis kinésithérapeute et votre institutrice et administratrice m'ont invité à vous parler de la prévention du mal de dos. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu mal au dos? Tu pratiques du sport? Pas trop? Ah, tu fais de l'informatique? Ah, tu fais une console de jeu? Ouais, il ne faut pas que des jeux. On travaille aussi. Ouais, c'est bien. Il y en a d'autres qui ont mal au dos? Comment c'est ton prénom? Jules. Jules, allez, dis-nous. Et des fois, bah, soudainement, quand je marche. À quelle heure? Des fois, ça me fait mal. La nuit, le jour? Bah, ça dépend. Enfin, ça dépend. Est-ce que ça fait très mal ou c'est juste un petit peu mal? Bah, là aussi, ça dépend. Comment tu peux décrire ça? C'est le bas. T'as mal en bas du dos, ouais. Au milieu du dos, sur les épaules. En bas, ouais. En bas du dos. D'accord. Et toi, tu t'appelles comment? Carmen. Ah, alors dis-nous toi. Je suis à Assin la chute. Ah oui. Du galop. Et ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on pratique une activité physique sportive, il faut être suffisamment préparé. Hein. On ne peut pas faire des efforts si on n'a pas les muscles pour. Donc quand on monte à cheval en particulier, il faut avoir des activités complémentaires. Et puis bien écouter en fait la monitrice, hein, parce que ce n'est pas des cadeaux n'importe comment. C'est quand même un peu dangereux. Enfin, c'est bien, c'est courageux de faire ça. Il y a peut-être plein d'explications à donner. Hein. En fait, ce qu'il faut, je crois, c'est toujours... faire des activités physiques pour avoir des muscles qui maintiennent la colonne vertébrale. À votre âge, vous êtes en pleine croissance. On ne va pas vous demander de faire de la compétition, bien sûr. Mais il faut faire un minimum pour lutter contre la position assise et immobile. En général, c'est la position assise. Avachi comme ça, je dis avachi parce que c'est vraiment le terme. Hein. On est tous comme ça, hein, même les grands. Hein. Il faut savoir que les grands ont aussi mal au dos que les enfants. Ou inversement, bientôt, les enfants auront aussi mal au dos que les grands. Pourquoi? Parce que tout le monde est assis trop longtemps. Et surtout, mal assis. Ce qu'il faut apprendre, c'est à se redresser en position assise. Alors, je vais vous donner quelques généralités. Là, je vous présente le poster qu'on va mettre dans vos salles de classe. Un poster qui est destiné à sensibiliser tout le monde sur cette position ici, dos rond. Voilà. Généralement, si on arrive à rehausser un petit peu le siège, eh bien, ça sera plus facile de basculer le bassin pour se tenir dans une position droite. La position droite, elle est idéale en ce sens qu'elle va permettre de bouger autour de l'équilibre. Quand vous êtes dans cette position-là, très basse, eh bien on est écrasé par la pesanteur, c'est forcément plus difficile de se redresser. Donc il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un derrière nous pour nous dire « redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi ». Alors vous avez de la chance, je crois que vous avez une maîtresse qui vous dit. Donc faites-le régulièrement. Mais est-ce que vos parents vous disent de vous redresser? Oui. Quand ils sont là. Et quand ils sont pas là, tu te redresses pas? Ça dépend. Et est-ce que vous le faites tous de vous redresser? Il y a des oui, des non. Alors ceux qui se redressent pas, levez la main. Bah, tout le monde se redresse, c'est formidable. Ceux qui se redressent, levez la main. Ça, c'est merveilleux. Alors on va pouvoir faire plein d'exercices tout à l'heure ensemble, vous allez voir. Parce qu'il y a... Il y a diverses façons de se redresser. On va essayer d'analyser en fait une méthode de redressement, comprendre comment ça marche la colonne vertébrale. Je continue sur cette explication-là. Il y a différentes possibilités de réglage du siège. Vous voyez, le siège ici il est très bas, là il est un petit peu plus haut et là il est très haut. Donc la priorité dans le redressement de la position assise, c'est le fait de basculer son bassin vers l'avant. Ça va être le point de départ du redressement de la colonne vertébrale. Là, on dit colonne lombaire, c'est la partie basse de la colonne. L'intérêt de ça, c'est que ça va permettre ensuite de redresser les épaules. Regardez comme quand on écrit, quand on lit, on se retrouve avec les bras en avant. Eh bien, il faut arriver en fait à ouvrir sa cage thoracique pour se tenir différemment. Et la position bleue, ici, on dit qu'elle est fatigable. Pourquoi? Parce qu'à force de se tenir longtemps comme ça, eh bien, on va retomber forcément dans la position rouge. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours quelqu'un derrière vous pour vous dire redresse-toi, redresse-toi. Alors je sais qu'en classe, on vous dit de vous dresser, ça c'est très très bien. Est-ce que vos parents vous demandent de vous dresser à la maison?
C'est à table le plus souvent. Et quand tu fais de l'ordinateur? T'as un ordinateur à la maison? T'en fais beaucoup? Une demi-heure par jour? À peu près. Est-ce que tu te redresses devant ton ordinateur? Je réfléchis. Ma maman, elle s'occupe des petits, de mes petits frères et elle va à la maison. Donc, personne ne te dit de te redresser. Ah, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Eh bien, il faut se redresser devant un ordinateur. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure un petit personnage qui s'appelle Image et Tondo, hein, qui propose aux enfants de se redresser quand ils utilisent l'ordinateur. On va voir ça tout à l'heure. C'est le petit personnage qui est sur l'ordinateur, à fréquence de temps, il vient de temps en temps vous proposer de faire un exercice de redressement. Regardez bien la vidéo graphique qui est devant, le petit personnage se redresse, on voit sa colonne vertébrale en transparence. Vous voyez que le redressement du dos, c'est essentiellement la bascule du bassin vers l'avant. Alors il va vous proposer de le faire en même temps, allez-y. Essayez de faire la même chose sur votre chaise. Voilà, on redresse le bassin, donc on redresse le dos dans son ensemble. Alors, j'avais besoin... Tu vas bien piloter, tu sais faire d'ordinateur. Bon, ça va être bien merveilleux, viens voir. Tout le monde voit bien le tableau, là? D'accord. Alors, maintenant, tu vas cliquer ici sur le petit bouton noir en haut. Voilà, on voit mieux comme ça, non? On peut faire en blanc ou en noir? En noir, vous voyez. Bon, alors tu vois ici, il y a des petits plus et des petits moins. Voilà, ben, je te propose d'essayer de redresser le petit bonhomme. Regardez bien ce qui se passe. Vous trouvez qu'il est redressé là? Il y a un problème, hein? Qui c'est qui disait tout à l'heure que quand on était assis à table sur une chaise ou autre et qu'on était penché? C'est toi, Clémence. Eh bien, tu vois, voilà. C'est exactement ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rééquilibrer les choses? Parle fort. Parle fort. Pas tout le monde en même temps, parce que sinon on ne va pas entendre. Tu dis qu'il faut descendre le siège? Mais si on descend le siège, on va être dans la position rouge, elle n'est pas bonne. Après, on est trop penché, d'accord. À retrouver notre solution, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Par là, tu veux dire appuyer sur le bureau. Oui. Faut monter le bureau. Vas-y, essaie de monter le bureau sur la droite. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux. Et aussi, il faut l'inclinaison du bureau. Si on essayait pour voir. Oh, encore. Ah, c'est pas mal déjà. Hein? Qu'est-ce qui manque à votre ami? Levez la main avant de parler, sinon on ne peut pas. Et comment ton prénom? Enzo. On remonte encore le bureau. Allez, vas-y, monte encore le bureau. Ah, on n'est pas loin, hein. Il commence à y avoir du vert, hein. Qu'est-ce qui manque? Armance. Allez, la hauteur de la chaise, on y va. Ça arrive pas? Vas-y, sur le plus. Oui! Voilà la position. On va dire ergonomique. Est-ce que quelqu'un connaît le mot ergonomie? Oui. Bien, la position qu'il faut avoir. Ah bah on peut dire bien, oui, c'est bien. Il faut avoir. Et alors, il faut expliquer pourquoi c'est bien. Un petit diaporama pour apprendre en fait aux enfants ce que c'est que le mal de dos et quelles sont les bonnes réponses par rapport à la position assise et le poids d'écartable. Je tiens à vous dire que le poids d'écartable et la position assise sont indissociables. Vous ne pouvez pas porter votre cartable convenablement si vous n'avez pas les muscles pour le porter. Or, pour avoir les muscles, il faut se tenir droit. Si vous ne tenez pas droit en position assise, vous n'avez pas de muscles. Donc votre cartable va vous faire mal. Alors, un cartable, ce n'est pas forcément toujours trop lourd, hein. Porter 10% le poids de son corps, c'est tout à fait normal. Et même, ça contribue finalement aussi à vous faire travailler le dos. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est quand tu pèses plus que 10% du poids du corps. Alors, on va demander à Clémence, qu'est-ce que tu vois sur cette diapositive? Une colonne vertébrale. Tu vois une colonne vertébrale. Combien il y a de cervicales?
7. Jules, combien il y a de dorsales? Ah, tu vois qu'il faut être attentif. Tu les vois les dorsales? 12. 12. Il y en a 12. Armance, combien il y a de lombaires? 5. Vous avez devant vous des petits posters, hein, c'est le modèle réduit en format A4, que vous pourrez emmener à la maison. Alors là, je vais vous demander de prendre un crayon, et à chaque fois qu'on va passer une diapositive, vous allez écrire 2-3 mots, vous mettez 1, c'est la diapositive 1, et puis à côté, vous mettez 2-3 mots pour vous souvenir de ce qu'on a dit. Donc là, c'est la colonne vertébrale. Celle cervicale. Ils écrivent sur la feuille? Ils écrivent sur la feuille, bien sûr. C'est une feuille que vous emmènerez à la maison. Raison de plus pour pouvoir en parler autour de vous, à la famille, aux parents. Dans la position rouge, regardez, que vous connaissez maintenant, eh bien, le poids du corps est multiplié par 3. Ça, vous pouvez noter sur la deuxième diapositive. Hein. En position rouge, le poids du corps est multiplié par 3. Combien pèse un enfant en CM2? Combien tu pèses? 32 kilos. Bien. Alors tu pèserais combien quand tu te tiens mal assise? 32 fois 3. Ça doit faire 96. Ça te donne une idée, hein, des forces qui s'exercent sur ta colonne vertébrale. Alors voilà un petit schéma qui vous montre aussi, parce que c'est pas parce que vous êtes en CM1 ou en CM2 que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. C'est assez simple, vous avez tous fait de la balançoire. Vous avez tous fait de la balançoire. Ça, c'est le milieu de la balançoire. Ça, c'est un grand bras de levier. Il y en a un qui est assis ici, c'est le poids. Et de l'autre côté, il y en a un qui est assis ici, c'est le muscle. Le muscle, il s'exerce sur un tout petit levier. Et le poids, il s'exerce sur un grand levier. C'est pas juste. Hein. Eh bien, il va falloir redresser ce poids-là avec un tout petit muscle. Vous comprenez pourquoi c'est fatigant et pourquoi c'est dur. Et il arrive même que ce ne soit pas possible, qu'on n'ait plus l'image du mouvement, on ne sait plus le faire, le muscle est plus capable. Donc il faut l'entraîner. Et l'entraîner, c'est franchement plus facile dans la position verte que dans la position rouge. Et c'est pour ça qu'on a parlé, Jules nous a parlé d'ergonomie, et tout à l'heure il a dit que c'était bien l'ergonomie. Et bien c'est bien parce que ça met spontanément en fait, le corps en équilibre et on va pouvoir bouger naturellement autour de cette position d'équilibre. Donc voilà, la question de l'ergonomie. Jules, tu peux nous expliquer ce que tu vois? Là, c'est une position assez moyenne. Enfin... Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait juste qu'il se redresse un tout petit peu au niveau... Au milieu. Alors, soit on lève le siège et le bureau, mais si on ne peut pas, ben, on peut toujours basculer le bassin et se redresser. Hein? C'est donc les exercices qu'il faut faire. Quand on n'a pas la possibilité de régler son bureau et sa table, eh bien, il faut systématiquement faire des exercices de redressement. Donc, juste ici pour que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est un schéma, hein? Ce n'est pas la réalité, parce que sinon, on ne pourrait pas comprendre. Ici, ce qu'on appelle le corps vertébral. Ça, c'est le dos ici. Ça, c'est le ventre, d'accord? Ça, c'est deux vertèbres, et là, au milieu, vous avez un disque intervertébral. En arrière de la colonne vertébrale, il y a des muscles. Quand vous vous tenez mal, la force musculaire, elle est réduite à cette partie rouge. C'est une contracture musculaire. Le muscle perd sa physiologie. Il n'a plus de force, il est plus élastique. Et il ne se contracte plus parce qu'il n'a plus d'innervation. À l'inverse, quand vous vous tenez droit, le muscle est beaucoup plus fort, il va jusqu'à la partie verte, il s'entretient tout seul. On n'a pas besoin de le commander, il est élastique, il a de la force et il se contracte automatiquement. On verra tout à l'heure avec des exercices sur le ballon ce que c'est que la proprioceptivité. C'est un mot comme ça difficile, et bien notez-le justement parce qu'il est difficile. Proprioceptivité. Je le redis.
proprio septivité. C'est la capacité d'un muscle de se contracter tout seul, automatiquement, sans qu'on y pense. Et ça, ça ne se fait que sur une position ergonomique, sur un ballon. Alors voilà, la GNF va avoir besoin de quelqu'un qui vient m'aider, qui est involontaire. Cet exercice s'appelle le lama. Vous allez trouver un nom, hein, parce que les lamas, dans plein de temps, ils tiennent très droit comme ça, donc c'est facile de s'en rappeler. Bon, tu vas mettre tes mains sur les hanches, comme ceci. Tu vas faire rouler ton bassin vers l'avant, tout doucement. Alors attends, c'est pas toi qui penche, c'est ton bassin qui roule. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand, au contraire, tu testes à l'aileron comme pour appuyer ton dos contre le siège. Laisse-toi aller en fait. Voilà. Donc on part bien d'une position de rond qui finalement est la position naturelle, hein, c'est la pesanteur qui nous met comme ça. Et on va contrôler cette position en faisant rouler le bassin vers l'avant. Voilà, on est en train de faire un beau lama. Voilà. Et alors là, après tu vas te grandir bien avec ta tête, essayer de toucher ma main. Voilà, on se grandit là-bas, il est très fier, il regarde loin devant lui. Et là, ça c'est la position habituelle. Regardez, vous vous reconnaissez tous, hein? À la cantine, à la maison, devant l'ordinateur, à la fin de la journée en classe, même quand la maîtresse vous dit de vous redresser. Voilà pourquoi elle vous dit de vous redresser. Alors, le lama consiste à faire basculer le bassin vers l'avant, voilà, et puis à l'arrivée, on redresse un petit peu le, voilà, et puis avec ta tête, tu pousses sur ma main vers le haut pour te grandir. Regardez le beau lama. Incroyable, vous l'avez tous fait. Alors, on essaie de le faire tous ensemble. Je ne le fais pas pour rien. Allez, on repart. Le dos rond. Voilà. Alors, première chose, les mains sont sur les hanches. On fait rouler le bassin vers l'avant tout doucement. Vous creusez les reins pour cambrer. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sentent pas bien l'exercice. Essayez de bien faire rouler le bassin. Et on redresse le dos. Voilà. Et après, on va se grandir. On pousse la tête vers le haut. Voilà, on regarde bien devant soi. Je ne vous reconnais plus, là, on va faire une photo. Hein. Super. On a vu les principaux exercices du redressement. Après, on peut trouver plein de combinaisons dans le logiciel d'image que vous aurez sur les ordinateurs de l'école. Vous en aurez une quinzaine d'exercices. Et pour que ça ne vous lasse pas trop, bien que 15, ça fasse déjà pas mal, eh bien, on a mis des images de fond qui varient, hein, pour attirer votre attention et que vous continuiez à les faire au moins pendant, on va dire, un mois ou deux. Ce qui fait qu'une fois que vous serez habitué à le faire, je pense que vous choisirez de vous redresser plutôt que de rester au fond de votre siège. On est obligé de parler du poids du cartable. Je voudrais savoir s'il y en a qui ont mal en portant leur cartable. Levez la main. On ne le répétera pas, hein. C'est juste pour savoir comme ça. Il y a quand même beaucoup de mains levées. Hein. D'accord ? Qui est-ce qui a un cartable à roulette ? Il n'y en a qu'un ? Il y en a deux ? D'accord. Bon, alors, je vais vous dire tout de suite, hein, les cartables à roulette pèsent 1 kg de plus que les autres. Déjà. Donc, ils sont plus lourds. Le problème, c'est que là, par exemple, vous êtes dans une classe au deuxième étage. Donc, vous allez porter votre cartable. Alors que d'habitude, il roule. Vous avez compris tout à l'heure dans la position assise, parce qu'on se tient mal, on n'a pas de muscle. Quand je tire mon cartable, je n'ai pas de muscle, je le tire. Et d'un seul coup, il va falloir que je le porte dans les étages, alors qu'il est plus lourd. Il y a un vrai problème. Hein. Donc moi, je crois qu'il vaut mieux avoir un cartable bien sur les deux épaules, hein, et pas un cartable à roulette. C'est une fausse bonne solution. Hein. C'est une vraie mauvaise solution. Voilà. Alors, et bien en plus, ça, accessoirement, le cartable à roulette, ça abîme les murs et puis ça donne des coups aux copains, donc c'est pas une bonne solution non plus. On va revenir sur la position du port du sac. Monsieur. Un sac, il ne doit pas être trop profond, il doit être vraiment contre la colonne. Est-ce que quelqu'un voudrait nous montrer comment il porte son sac ? D'accord. Alors, regardez la classe, on va se mettre de côté comme ça pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Un cartable, s'il est trop profond, trop épais comme ça, il va tirer sur les épaules et il va faire cambrer. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient mal au lombaire parce qu'ils étaient mal assis. Et puis là, avec le cartable, on va augmenter, hein, oui, avec un poids qui
est trop important. D'accord ? Donc, ce qu'il faut absolument, c'est bien porter son cartable sur les deux épaules, de façon à équilibrer le poids sur les deux épaules. Hein ? Oui, Marco ? Mais moi, j'ai un cartable sur le côté. Sur le côté ? Oui. Ah, c'est joli ça, c'est à la mode. Seulement, le problème, c'est que tu portes donc sur une épaule. Tu veux nous montrer comment tu porterais ton sac sur une épaule, voyons ce que ça donne. Comment ça passe à la classe. Voilà. Ben là, elle se tient pas droite, hein. Elle se déséquilibre comme ça. D'accord ? Donc les muscles ne travaillent pas symétriquement des deux côtés. Donc là, c'est pas bon. Hein ? Bon, alors je disais donc que dans un cartable, on va mettre les livres près de la colonne vertébrale. Parce que ça pèse moins lourd là que si je le mets très très loin. Donc c'est pour ça que moi je préfère les cartables étroits, pas les cartables épais. Hein. Plus un cartable est gros, plus on en met dedans et plus le poids part vers l'arrière. Donc ça augmente considérablement la charge sur le dos. Sur le poids, il y a aussi, il ne faut pas mettre les choses inutiles quand on part sur les bois. Bien sûr qu'il faut gérer son cartable intelligemment. Tous les soirs, il faut le vider complètement. Et prendre que les choses utiles que la maîtresse vous a demandé d'apporter, bien sûr. Hein, en général, on ne vous demande pas d'amener beaucoup de choses. Hein. Donc il faut en retirer tout ce qui est inutile, ça c'est certain. Oui ? Mais j'ai une solution, pas pour tout le monde, mais pour les enfants qui restent à l'étude et qui sont dans la même classe, par exemple, ils peuvent se partager le poids, par exemple, il peut en avoir une qui prend le livre de maths et l'autre qui prend le livre de français, comme ça c'est vraiment. Ça c'est très important ce que tu dis là, on appelle ça la méthodologie, c'est-à-dire que à votre âge, vous devez apprendre à gérer et à vous organiser et à respecter cette organisation parce que quand vous serez en sixième, vous aurez beaucoup plus de livres à transporter et il est vrai que si vous êtes capable de gérer ça, hein, les semaines à aider, partager les livres et tout ça, et bien évidemment ça diminue considérablement le poids des cartables. Bien, je te remercie beaucoup, on va passer à autre chose. Quelle porte bien là ? C'est celui qui est à droite. Voilà. Le cadre rouge, pourquoi il n'est pas bien celui qui est au milieu ? Il se porte sur un côté. D'accord ? Et pourquoi celui qui est à gauche ? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi celui qui est à gauche ? Oui. Parce que les sangles ne sont pas bien réglés. Donc ça représente un grand bras-pied, donc c'est mauvais. Quel que soit le poids du cartable, ça sera toujours mauvais de porter comme ça en bas parce que ça augmente considérablement la charge. Et là aussi, c'est mauvais parce que c'est déséquilibré. En général, quand on porte sur une main, on porte toujours de la même main. Donc on va avoir des muscles d'un côté qui vont s'affaisser, hein, et de l'autre côté, on va être en étirement. C'est un port qui va être passif et qui ne va pas participer convenablement. Ça, c'est bien parce qu'on va répartir les contraintes sur l'ensemble du dos. D'autant que s'il a un cartable qui est ergonomique, eh bien, il va mettre effectivement ses livres près de la colonne. Et bien maintenant, je vous propose qu'on passe dans la partie pratique. Et on voudrait des volontaires pour venir s'asseoir sur les ballons et sur les chaises. Alors, je vais vous demander, ceux qui sont assis sur le ballon, de faire très attention. Il ne s'agit pas de tomber. Les accidents sont toujours possibles. On n'est pas là pour faire des accidents. Pourquoi est-ce que je vous ai mis des ballons avec les chaînes ? Tout à l'heure, hein ? Oui, Armance. Parce que les ballons, on ne va pas s'appuyer. On ne peut pas s'appuyer. Ah, c'est pas mal, ça, déjà. Oui. Jules ? Le ballon, c'est où ? Et je crois que pour le dos, il est. C'est haut. Redis-moi ça, se tenir droit. Je pense que tu penses bien. Non, vas-y. Mais c'est se tenir droit sur le ballon. C'est... Ça aide à se tenir droit. Oui. Oui. Voilà. Oui. C'est presque ça. Parce que sur un ballon, si on se penche en avant, on risque de tomber. Mais vu que ça arrondit, qu'on place bien les jambes et le dos, bah, on est dans une bonne position. On va revenir dans une bonne position. On va aller pas loin de la position verte. Voilà, d'accord. Si on se penche en avant, le ballon tombe. D'accord. Alors moi ce que je m'attendais, c'est bien ce que tu dis, moi ce que je m'attendais, ce que vous me disiez,
l'idée, c'est que finalement, ça fait travailler les muscles tout le temps, peut-être sur un ballon. Tout à l'heure, je vous ai dit un mot barbare, la proprioceptivité. Et bien, ça sert à ça de faire des exercices sur un ballon. On fait travailler les muscles sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Donc, je vais vous lancer ici un petit programme d'exercices et on va les faire ensemble. Je vais vous aider. Hein. Vous en connaissez quelques-uns déjà. On croise les bras, on attrape ici les coudes. Et on va donc convexe. Posture de redressement. On baisse les épaules en soufflant. Voilà. Très bien. Hop, on a changé d'exercice. On est sur la biche maintenant. Regardez ce qui se passe. La biche, on va mettre une main ici sur le côté. Regardez la biche devant. Regardez dessus. Et on met un bras vers le haut, comme ceci. Et on va faire un exercice comme ça de bascule latérale sous le côté. Voilà. Ici. Très bien. Voilà, j'essaie de grandir en inclinant un petit peu comme ça à ce côté. Voilà, il faut que tu mettes ta main sur la côte. Voilà, regardez la biche, il continue à travailler, tout le monde le fait. Voilà, ta main tu dois la mettre sur les côtes ici. Bien. Voilà. Ici, il y a un mouvement en fait. Hein. Voilà, et c'était quoi l'exercice? Il s'appelle comment? La biche. La biche, d'accord. Regardez, c'est la chouette maintenant, on y va. Allez, tout le monde fait la chouette. Il faut abaisser les bras ici en soufflant comme ça. Voilà. On abaisse en soufflant. On se tient bien droit. Comme dans les exercices que vous avez vus tout à l'heure. On souffle. Allez, je vois qu'on profite pour rebondir sur les ballons. Eh bien oui, ça détend les épaules, ça détend le cou. Et c'est valable que si tu fais sur une position redressée, hein. Tu ne vas pas le faire sur une position de rond. D'accord? La cigale, on y va. La cigale, c'est très difficile. Il s'agit de mettre les mains l'une contre l'autre et de redresser. C'est un peu la même idée que l'autruche. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Mettre les mains à plat comme ceci. Ça me devient trop fort. Pour les épaules. Voilà. Voilà, vous voyez qu'on a besoin. C'était comment, il s'appelait comment cet exercice? Allez, là, la cigale. Le condor, on l'a vu tout à l'heure. Allez-y, on fait le condor. Ça commence par quoi le condor? Redressement du bassin d'abord. D'accord? Après, rotation externe des bras, comme ça on tourne les bras en dehors. On abaisse bien, on se grandit, on rapproche les omoplates. Voilà, approche bien les omoplates, ici, très bien. Attention, ne lève pas ta tête, voilà, c'est ça, tu vois, le fait. Alors les côtes, on va placer les mains ici sous le menton, très bien, et on va faire un mouvement de rotation de la colonne comme ça, tout doucement, les coudes sont plus hauts de façon à bien maintenir la posture précédente, c'est-à-dire qu'on a les omoplates rapprochées. Voilà, le dos est bien droit, on se grandit. Et c'est là qu'on voit ceux qui se tiennent bien, bravo, ceux qui sentent bien leur corps, parfait. Ça marche bien dans la classe, hein, c'est super. Vous vous rappelez des autres? Le condor, la biche. Donc celui qu'on vient de faire, c'était lequel? Le coq. Très bien, attention, ça démarre. La girafe. Alors, la girafe, eh bien, on va déplacer les épaules comme ça. On ne bouge pas le bassin. On va faire un mouvement latéral avec les épaules. Alors, le héron. Très difficile, le héron. Pourquoi est-ce qu'on va faire le héron? Eh bien, parce que dans la position assise, les muscles qui sont en bas de la cuisse ont tendance à se rétracter. De côté, je pense. On a une jambe tendue en avant. On cambre le dos. Et on se penche en étant cambré. Et ça tire derrière la cuisse. On étire ce muscle parce que dans la position assise, il a tendance à se rétracter. De la main, vous l'avez fait tout à l'heure, vous l'avez vu. On attrape le bassin avec les mains. Et on fait basculer le bassin vers l'avant pour redresser l'ensemble de la colonne. On repart en dos rond. Laisse-toi partir. Reviens. Voilà. Reviens à nouveau et on campe. Parfait. Et on repart en sens inverse. Laisse-toi aller.
s'installe. Et j'en reviens. Le fait de faire le mouvement, cette fois, ça active tous les muscles qui sont proches de la colonne. Se tenir bien, c'est une chose, mais se servir de ses muscles, c'est entretenir sa colonne. Donc l'oiseau, on écarte les bras. Donc vous voyez, on étire, on rapproche les omoplates. Et là, on fait travailler des muscles. Vous les sentez, les muscles, hein? Ah oui, d'accord. On travaille pas souvent, hein, ceux-là. Hein? Faites attention parce qu'à la fin, ils vont passer très vite. Et on va compter les points. Hein? On va voir ceux qui se rappellent parce que très très vite, on va diviser la classe en deux. On va faire deux équipes. On va essayer de savoir qui se rappelle et qui ne se rappelle pas. Alors, l'orang-outan, il fait un beau carré au-dessus de la tête. Voilà. Et il pousse avec les coudes vers le haut comme ça. Il fait un travail musculaire particulier dans l'orang-outan. Mais l'orang-outan, j'y arrive. Le pan, on l'a vu tout à l'heure. Alors le pan, il ne reste pas comme ça. Hein. Il est fier, d'accord, mais il va redescendre, il se met bien en rond, comme ça. Voilà. Et il va déployer ses ailes, comme ça, avec une belle roue. Voilà, bien ouvert roue, voilà, c'est ça. Alors, on peut souffler ou on peut inspirer, on fait comme on veut. On n'est pas là pour se faire mal, hein. On n'est pas là pour se faire mal. Pour ressentir un mouvement, on est détendu. Voilà, on se redresse, on essaie de contrôler une posture de redressement. D'accord? Et c'est un mouvement, bien sûr. Très bien. Je sais que vous aurez des choses à dire à vos parents ce soir, hein. Alors, le phoque, il est un peu compliqué. Il faut être debout. Alors, le phoque, en fait, il va, regardez-moi vous, le phoque, il fait ça. D'accord ? Il se termine un peu comme le tarif. D'accord ? Voilà. Faites bien sur la chaise, comme chez les enjambes, vous aurez besoin de la faire tous les jours. Les jambes, c'est... D'accord ? Alors, c'est le bassin qui roule comme ça, et les épaules qui roulent dans le sens. Et oui, il y a une mobilité latérale sur la colonne vertébrale, vous la ressentez. Je pense que ceux qui sont sur un ballon le ressentent d'autant plus facilement que le ballon roule en dessous. C'est plus facile à faire. Mais ce qu'on fait sur un ballon, on peut le faire sur une chaise. Alors là, c'est un exercice de détente. Le poisson. Le poisson est dans une position redressée. On laisse tomber la tête en arrière. On laisse tomber la mâchoire en avant. Et il fait quoi le poisson? Vous entendez le faire? Jules. Détends la tête. Bon, c'est bon, Maurice. Stop! C'est quoi? 60. Vous en rappelez de tous maintenant. Hein? Ah, si, ça va vous plaire. Allez, on y va. Faites attention, camarades à côté, pas donner des coups de coude. Alors, c'est sérieux ce qu'on dit. Regardez bien, c'est très sérieux. Là, ce mouvement-là, non. Le mouvement consiste à faire bouger une omoplate vers l'arrière. D'accord? Puis l'autre omoplate de l'autre côté. En réalité, si j'arrive à bouger et l'une et l'autre, je vais bouger ma colonne vertébrale à tous les étages. D'accord? Voilà. En fait, c'est fait pour aller proche de la colonne vertébrale dans le redressement. Voilà. Voilà. Vous sentez les muscles en profondeur. Je pense qu'il y en a plein qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein? Alors évidemment, là, vous avez fait une vraie séance de gymnastique. Hein? Vous allez me dire, j'avais pas mal, maintenant j'ai un petit peu mal. Hein? C'est sûr, mais ça, c'est une bonne douleur. Hein? C'est une douleur de redressement. Voilà. Vous allez être un peu plus musclé demain. Alors celui-là, on appelle évidemment le singe. Le singe. D'accord. Alors je crois qu'on en a fait combien à peu près là? 7. Hein? D'accord. Alors comment est-ce qu'on fait pour compter les points là? C'est le piège là. L'autruche, bon, on ne va pas compter les points alors. Vous avez 5 secondes pour vous rappeler. Attention, ils vont tous défiler. Si c'était l'autruche, vous avez raison. Lequel? La biche, bravo. Ça va être très long, 5 secondes, regardez. Oui, c'est la biche. Et je
je vous propose de les refaire. Regardez. Ouais, c'est possible. Et bon, attention, celui-là, c'est quoi? Le condor. Très bien. Faites-le en même temps, parce que moi, ça sert à quelque chose. Et ben voilà, vous les avez tous ici. Voilà. Vous les connaissez tous maintenant, donc vous savez tous les faire. On a 14. Est-ce que vous avez des questions?